Je me suis construite avec les livres et j'ai eu envie de m'exprimer à mon tour. Mon métier, c'est de raconter des histoires. J'écris des romans qui sont soit fictionnels, soit un peu plus autobiographiques. Je pense que l'écriture me construit en tant que personne. Je suis aussi faite de ma double culture. Ma mère est vietnamienne, mon père est français. Je pense que ça, c'est une particularité qu'on retrouve dans mes romans. C'est vrai qu'on retrouve un peu dans tous les arts ce désir des artistes de dire « c'est de là où je viens ». Assumer ses origines, c'est une caractéristique de notre génération. Les gens mettent leur histoire en avant, mettent leur origine en avant pour se définir aussi. Moi-même, c'est quelque chose que j'ai fait. Mon dernier roman est sur le Vietnam, le village de ma grand-mère, de ma mère. Et donc finalement, je m'inscris dans ce mouvement où je raconte d'où je viens. Et en fait, ça permet de se construire et de comprendre qui on est. Je m'appelle Lynn Papin et je suis romancière.